Donc, je m'appelle Fabrice Meyer, je suis maraîcher depuis 6 ans. Avant, bon, j'étais en pâtisserie, tout ça, c'était une conversion. Voilà. Donc, je suis passé en traction animale il y a 3 ans. Au début, j'avais travaillé le sol, je travaillais d'abord à la main, au motoculteur, après au tracteur. À 3 ans, je passais à cheval. Et puis maintenant, depuis aussi 2-3 ans, je teste un petit peu les méthodes dans mon travail du sol. Les occultations, etc. Donc, on va d'abord. J'avais préparé un petit montage photo qui ne devrait pas trop mal convenir, vu que bon, on va parler pas mal d'outillage. Ça va permettre à ceux qui découvrent de découvrir un peu ce qu'il y a possibilité de faire. Donc, en fait, bah, je vais vous présenter dès le début. Donc, moi, j'étais donc en tracteur, je disais, il y a 3 ans, je suis passé en traction animale. J'avais déjà le projet avant de m'installer, mais j'avais pas de cheval, j'avais pas de pré, j'avais pas les connaissances pour travailler qu'un cheval. Mais j'avais envie de travailler à cheval déjà à l'installation il y a 6 ans, déjà dans mon projet quoi, avant. Donc j'avais fait des stages en BTS, j'avais fait un stage de traction animale en Ariège, chez des gens qui travaillaient comme ça avec la cassine, si certains connaissent, on travaille du sol quoi. Donc ceux qui ne connaissent pas la cassine, on va peut-être voir ça après. Après, avoir son cheval, c'est quand même autre chose. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais eu de cheval, c'est pas rien d'avoir un cheval. C'est comme un chien. Faut le. Enfin, c'est comme un chien. C'est un chien, mais beaucoup plus gros. Mais il y a beaucoup de. Faut s'en occuper, quoi. Ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux si on le fait sans connaissance. Faut se méfier quand même, parce qu'il y a des choses à connaître, quoi. Donc, faut pas non plus se dire que c'est facile, quoi. Ça demande un certain travail. Enfin, un apprentissage. Un travail au quotidien, faut le nourrir, le soigner. S'il part d'une clôture, il faut aller les chercher. Si c'est la nuit, c'est la nuit. S'il est malade, des fois, s'il fait une colique, il faut rester avec lui, marcher la nuit pour qu'il ne se couche pas, parce que s'il se couche, il peut mourir. Enfin, il peut y avoir des choses, des fois, qu'on vit assez fortes. Donc, faut en avoir conscience, quoi. Voilà. C'est sûr que c'est pas comme le tracteur, on le met au garage et hop là. Après, il y a un gros lien qui se fait. Enfin, voilà, c'est pas comparable à un tracteur, on a une joie à travailler assez dingue. Voilà, de travailler avec l'animal, quoi, c'est assez dingue. Enfin, moi, ça, je m'épate presque tous les jours, je me dis, waouh, chouette. Voilà, donc il y a 3 ans, le ton était plus vieux, je me suis dit, bon, on m'avait indiqué un éleveur de cheval, c'est un copain, quelqu'un que j'ai rencontré par hasard, qui m'a dit, voilà, il faisait du débardage dans le coin de chez moi. Alors il m'a indiqué un éleveur parce qu'il y a l'achat du cheval, qui n'est pas forcément une chose évidente, parce que dans le monde du cheval, attention, il y a beaucoup le business. Donc à des gens qui ne connaissent pas le cheval, on va essayer de leur vendre un cheval qu'on ne peut pas vendre à quelqu'un qui connaît un cheval, mais au même prix. Donc on a vite fait de se retrouver avec un cheval qui ne sait pas forcément travailler. Enfin voilà, il faut faire attention, hein, faut pas y aller naïvement. Il vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un qui est un peu du milieu, enfin qui connaît, comme si vous achetez une voiture, quoi. Hein. Voilà, c'est un milieu particulier aussi des fois le cheval. Voilà. Donc on m'a indiqué cet éleveur, il m'a dit qu'il était super content de son cheval, qu'il est super sympa, alors je suis allé le voir. J'avais pas de connaissance sur les chevaux justement, alors je me suis dit bon bah je vais le voir, lui il m'a indiqué lui, c'est quelqu'un que je fais confiance. Et puis bon bah on est allé, je lui ai expliqué mon cas, comme quoi j'avais jamais de cheval, je voudrais travailler avec un cheval. Je lui ai demandé est-ce que je peux venir l'hiver chez vous tous les voilà 2-3 fois par semaine, comme ça je suis avec vous, j'essaie de travailler et vous m'apprenez un peu quoi. Et moi je vous aide, je fais les boxes, etc. quoi. Et donc, on était allé voir des chevaux, et puis bah, il y en a une qui était venue vers moi, et puis je me suis dit, tiens, elle a l'air pas mal. Et puis c'est celle qui voulait me montrer parce qu'elle cherchait un cheval pas trop difficile, quoi. Enfin, voilà, je sais pas si ça existe vraiment, mais voilà, j'ai dit que je débutais tout ça. Alors il m'a dit, voilà, c'est celle qui voulait me conseiller aussi, alors on est parti sur elle. Donc là, elle avait 2 ans et demi. Donc le cheval, en fait, il naît, il est poulain. Ben dès qu'il est poulain, ils vont l'habituer. Donc ça, c'est le boulot de l'éleveur, quoi. Si vous avez un poulain, vous le faites vous. Mais voilà, on l'habitue à ce qu'il soit touché, on le caresse, on met un peu de poids sur le dos pour l'habituer d'avoir un peu de poids sur le dos, comme quand on veut le monter après. Tout ça, c'est des choses qui doivent s'habituer. En fait, le cheval, c'est ça, faut l'habituer, le désensibiliser.
faut qu'il s'habitue à une contrainte qu'on lui met. Et tant qu'il n'est pas habitué, il va se débattre, quoi. C'est comme si vous, on vous contraint, vous allez vous débattre. Jusqu'au moment où où il comprend qu'une fois qu'il fait ce qu'on a envie qu'il fasse, ben on le laisse tranquille quelque part, quoi. C'est le dressage, quoi. C'est apprendre au cheval à être comme on veut qu'il soit quand il est avec nous. Donc pas à nous sauter dessus, comme on pourrait faire un chien, parce qu'un cheval qui te saute dessus, t'es foutu, quoi. Donc quand il est poulain, c'est des choses, des erreurs qu'on peut faire. Voilà, c'est un petit truc, on peut le manipuler comme un chien, peut-être. Mais quand il grandit, s'il garde ses mêmes habitudes, ça va plus. Donc dès petit, il faut bien l'habituer. Enfin, il y a toutes ces choses-là, et c'est des choses qu'il faut garder après. Voilà, il y a un cheval. Dans un troupeau de cheval, il y a un dominant, où il y a des dominants, quoi. Chaque cheval domine un autre cheval. Et le dominant, c'est celui qui passe. Celui qui pousse, c'est le dominé, quoi. Donc si vous avez le cheval, il vient vers vous, vous dites merde, le cheval il vient vers moi, je m'écarte. Ben là, pour lui, dans sa tête, c'est lui qui domine. Donc vous faites plusieurs fois ça, voilà, de jour en jour, de semaine en semaine, à un moment, voilà, il vous êtes dominé, donc si vous ne poussez pas, il vous écrase. Alors qu'au début, l'éleveur, il lui apprend normalement à vous respecter. Mais si vous, après, vous le faites, vous respectez, enfin, vous ne suivez pas ça au quotidien, il perd le dressage, c'est très vite perdu, quoi. Il prend très vite des mauvaises habitudes. Ça, c'est des trucs à savoir avant de prendre un cheval, voilà, faut être bien carré, sinon ça devient vite très dangereux, quoi. Et puis donc il vit jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, il fait sa vie au pré avec le troupeau, voilà. Et à 2 ans et demi, 3 ans, quoi, par là, il le sort du pré et il le débourre alors à la monte, à l'attelage, etc. Donc le débourrage, ça va être l'habituer à mettre une selle, à avoir porté une selle, à avoir quelqu'un sur son dos, à avoir un harnais, à tirer quelque chose. Donc au début on va mettre que le harnais, on va voir si le harnais déjà il a peur qu'on lui montre, ben on va lui montrer le harnais un peu tous les jours et quand ça va mieux on va lui mettre dessus et le calmer s'il s'énerve, enfin voilà, il y a des chevaux ça va bien, hein. Ils ont jamais mis du harnais, on met le harnais, ça va tout seul, ça dépend du cheval, quoi. Et après on va lui mettre une chaîne derrière, une grosse chaîne, comme ça on l'habitue un peu à avoir du bruit derrière lui, à commencer à tirer quelque chose, quoi. Voilà, et après on peut mettre un bout de bois, c'est une masse un peu plus lourde à tirer, et comme ça progressivement on l'habitue. Et puis en même temps il faut apprendre à obéir au guide. Donc il y a ça j'ai pas préparé de diapo là-dessus, mais le cheval on va le diriger, on lui met ce qu'on appelle un mors. Donc c'est un truc en ferraille qu'il a dans la bouche si vous voulez. Et alors si on appelle à droite, si on tire un peu à droite, ça va lui faire des petits appels. Et il faut lui faire comprendre que quand on l'appelle à droite, il doit aller à droite. Et quand on l'appelle à gauche, il va aller à gauche. Et alors on a la direction. Et si on l'appelle des deux côtés, il doit s'arrêter. Donc ça, c'est les béabas du dressage. Donc normalement, un cheval dressé, il sait tout ça. Quand vous l'achetez, il sait tourner à droite, à gauche, s'arrêter, reculer, marcher au pas, au trot, au galop. C'est des choses qu'il doit savoir. Il doit savoir tenir un arrêt tranquille. Pas un arrêt tout le temps à remuer. Là, il est pas. Il est en cours du boulot dessus, quoi. C'est pour retravailler au champ. Parce qu'une fois qu'il a les machines derrière, c'est vite dangereux si le cheval il se secoue ou qu'il veut démarrer parce qu'il voit une touffe d'herbe ou je sais pas. Bon, il faut toujours être sur ses gardes. Hein. Il peut toujours prendre peur et vouloir partir. Le cheval, au départ, c'est une proie de la nature. Donc psychologiquement, il est toujours dans la peur. Et dès qu'il a une peur, c'est la fuite. C'est pour ça que c'est dangereux, parce que dès qu'il a peur, le cheval, il va courir, quoi. Donc là, c'est là qu'il faut le tenir pour qu'il ne court pas. Vous êtes dans une calèche avec des gamins dans une ville. S'il démarre au galop, c'est chaud. Donc, et après pareil, si vous allez en ville, il faut l'habituer petit à petit aux voitures. Enfin, c'est des choses qui se font petit, voilà. Donc, quelles tâches mécanisables en traction animale? J'avais fait une petite liste d'abord. Donc on supprime tout ce qui est travail du sol, hein. Moi j'avais des outils de travail du sol, je labourais pas mais je griffais, en fait je griffais, je faisais des petites buttes avec des disques bionneurs ou un butoir quoi, butoir à patates, et après je binais, je butais. Donc tous ces outils là, bon là je les ai encore,
Parce que, il y a peut-être encore des petits endroits où je ne vais pas gérer tout à fait en mon travail. Enfin, je sais. Bon, on verra l'année prochaine. Là, j'ai préparé pas mal de choses, je ne devrais pas travailler grand-chose. Donc, les outils, c'est ça. Après, avec le non-travail du sol, on se dit, ben, tiens, maintenant j'ai mes chevaux, mais qu'est-ce que je vais leur faire faire? Parce que s'il n'y a plus de travail du sol, etc. C'est quand même le gros truc en traction animale. Tout le monde vous parle de traction animale, ils vont vous parler de labourer, de charrue, etc. Alors, je dis, mais moi, je ne laboure pas. Ah, mais qu'est-ce que tu fais alors avec ton cheval si tu ne laboures pas? Alors, bon, là, je griffais le sol, je disais. Et puis maintenant, je ne griffe même plus le sol. Alors, si tu ne griffes plus le sol, qu'est-ce que tu fais Donc après, bon, on a les possibilités de rouler les couverts au rouleau FACA, parce que si on fait un peu des grandes surfaces, c'est quand même, on peut le faire avec une planche et tout, mais c'est sûr qu'avec un cheval, là, tu tires ton rouleau, c'est comme le tracteur, hein, bam, 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 c'est rapidement fait, tu ne te fatigues pas. Là, on va voir les outils en détail après les photos, hein, c'est une petite liste. Les semis, donc on peut faire des semoirs pour semer sous couvert, hein, des semoirs avec un disque ouvreur devant ou des semoirs à la volée. On peut récupérer des semoirs à céréales, enfin il y a pas mal de choses à faire. On peut planter avec une planteuse. Bon, la planteuse, le truc c'est que le cheval, on n'arrive pas à le faire aller aussi doucement que le tracteur en vitesse très lente pour planter. Du coup, on est souvent deux derrière à mettre les plants dans un disque de plantation, vous voyez. Au lieu de deux personnes avec chacun son disque de plantation à remplir, ben là il y a deux personnes pour remplir un disque parce que le cheval il va un peu plus vite que le tracteur. Donc voilà, après des bœufs, ça marche beaucoup plus doucement sur la traction avec des bœufs. Peut-être que pour planter, c'est peut-être plus adapté que le cheval, le bœuf. Ensuite, le poinçonneuse. Donc une poinçonneuse, c'est des pics qui vont faire des trous dans le sol pour planter par exemple les poireaux ou comme ça, à travers un mulch et des choses comme ça. On pourrait servir de ça, hein, des outils animés, ça marche très bien avec les chevaux. Une pailleuse éventuellement. Donc là, c'est déjà du plus costaud pour dérouler une balle de foin. Après, il faut peut-être un cheval, c'est peut-être juste, il faudrait peut-être deux chevaux, je pense, pour que ça tourne bien avec, pour la pailleuse. Après, on peut faner, moi je complète, je fais des couverts là maintenant en place, mais j'ai des endroits, j'avais pas de couverts, ou dans les serres, je mets pas de couverts parce que pour l'assolement, je veux les remplir de culture tout le temps, j'ai pas assez de serres pour faire une culture non productive. Donc je les paille avec enfin je les mulche avec du foin là, du vieux foin, du foin qui est devenu paille en fait. Je le fauche quand il est paille, quand il est bien paille. Donc je le fauche à la faucheuse et je le fane et je l'andaine, tout à cheval quoi. Il y a une faneuse à cheval, une andaineuse à cheval. Donc on va voir là le matériel. Ensuite on peut faire du transport avec des traîneaux, des remorques, des plateaux à foin, etc. Il y a même des autochargeuses qui existent pour chevaux, ça existe, hein, j'en ai vu en photo, donc toujours entraîné par roue. Il y a des épandeurs aussi qui existent pour chevaux, ça existe, hein, des petits épandeurs de 2 mètres cubes ou comme ça. Et puis il va falloir 2-3 chevaux si c'est du fumier, mais après pour des choses plus légères avec 2 chevaux, ça doit bien passer. Le fumier c'est lourd quand c'est humide, il y a vite 1 ou 2 tonnes. Voilà. Traîneau, remorque, auto-chargeuse, épandeur, pour le BRF, voilà. La moissonneuse gauloise, alors ça c'est dans le cas, là j'avais semé du blé cette année, j'avais fait une petite parcelle, un 8 arts, là, ces petits essais, en me disant je vais essayer de récolter les épis bien haut et puis coucher la paille. Donc voilà, donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Alors il y a la moissonneuse lieuse, qui est une moissonneuse, ça va faucher et mettre en petite botte avec une ficelle autour. Mais ça coupe assez bas. Et après, il y a les moissonneuses gauloises. Ça, c'est des genres de grands bacs comme ça, avec des grandes pointes en ferraille. J'ai pas de photo là. Affûtées. Et puis, donc ça date des Gaulois. Hein. Et donc là, c'est devant le cheval le pousse. Et les brins de blé vont dans les dents. Et il y a un Gaulois devant qui pousse avec un bâton, avec un petit truc plat pour que ça tranche bien, quoi. Bon, c'est un petit peu à l'ancienne, mais voilà. Et alors, on peut régler la hauteur, en fait, avec selon comment on tient les manches, on peut régler la hauteur. Il s'en fait du matériel neuf en traction animale, oui. Des faucheuses, en tout cas, les faucheuses vieuses, je ne sais pas s'il s'en fait des neufs, c'est possible, je ne suis pas sûr. Parce que, mais ça se peut que quelqu'un en fait. Hein. Mais ça se trouve assez bien d'occasion.
Il y en a toujours sur le bon coin, il y en a régulièrement, une, deux, trois, même des moissonneuses-zieuses, quoi, qui sont assez rares. Les faucheuses, il y en a déjà un paquet. Il y a pas mal d'outils qui sont, voilà. Après, il y a les planteuses, il y a des outils qui sont plus rares. Les andaineurs, il y en a régulièrement. Les remorques, faut les trouver. Des fois, c'est des petites remorques ou les plateaux à foin, enfin, ça se trouve. Ou moi, des fois, dans aussi le bouche à oreille, autour de chez soi, hop, il y a quelqu'un qui a ça dans une branche qui traîne. Il y a, bah tiens. Ouais, il y a les bonnes occasions. Moi, les outils, je les paye entre 0 euros ou 7 euros, ce que je paye, et 40-50 euros, c'est déjà un bon prix. Et après, il y a des outils très, un peu plus chers à 100 euros, 150, pour des grandes bineuses ou des faucheuses, des trucs déjà costauds, quoi. Donc, c'est que dalle. En occasion, c'est des outils qui ont 20, 30, enfin 50, des années 60, 40, voire avant. Hein. Voilà, après, outils interchangeables, donc des porte-outils. On peut faire le principe des porte-outils, donc où on change les outils. Relevage 3 points, donc avant-train polyvalent. Ah oui, ça c'était. J'étais voir à la vallée de Munster, il y a un gars qui a fait ça avec des bœufs, un outil pour faire comme une fourche de tracteur. Mais avec des bœufs. Donc, je n'ai pas la photo là, je crois que j'ai sur le téléphone. Je vais tout le dessiner vite fait ça. Si on a les bestioles là, on va prendre les bestioles, voilà, vite fait, hein, la tête. Tac, tac. Et puis alors, sur les bœufs, il va le fixer aux cornes, hein, vous avez les cornes. Et sur le cheval, on le fixerait ici au niveau de la selle, on mettrait ce qu'on appelle une sellette de travail, c'est une genre de selle molletonnée sur lequel on peut attacher des trucs. Là, je vous montrais pour le cheval, on le mettrait sur la sellette. Et puis alors, il y a l'outil, il se fixe comme ça, il y a un tube là, qui passe au-dessus du cheval là. Voilà. Et puis là, il y a le système, il avait un système de genre de Fenwick. Hein, je sais plus comment c'était foutu exactement, mais il y avait ça avec des roues. Donc là, il avait une fourche, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis là, il avait fait un système encore bricolé, c'était un peu galère pour le monter le truc, mais il pensait peut-être mettre un vérin pour un vérin pneumatique. Alors bon, c'était un peu galère son truc quand même, hein, niveau pratique, mais bon, c'était bien pensé quand même. Et alors le cheval, là, il peut tourner. Donc là, s'il pousse, hop, il va enfourcher la balle là, de paille, quoi. Il va pousser, ça l'enfourche. Et ensuite, il peut se retourner dans l'autre sens, aller marcher ce qu'il a à marcher. Et puis pour là, ils ont mis la balle dans une camionnette, quoi. Donc c'était assez précis, quoi. Et hop, ils ont posé la balle et sortir la fourche. Donc ça, c'est un système qu'on peut mettre sur différents outils. Hein. Après, ça permet de gagner de tourner sur plus court en bout de rang. Le fait que le cheval tourne. Ouais, là, vous arrivez au bout du rang, le cheval il tourne et c'est reparti. Que sinon, il y a la longueur. C'est plus long l'attelage et puis ça, il faut plus de place pour tourner. Donc ça, c'est un gars ça fait 3 ans qu'il travaille dessus là, Kuhlmann, il s'appelle. C'est un éleveur de bœufs en Alsace, là, de la vallée de Munster. Voilà. Il y a des petits trucs qui. Et après, prise de force statique, ouais, moulin à traction animale. Il y a des moulins à traction animale. Donc il y en a qui sont sur roue. Le principe, c'est que le cheval il tourne là, comme dans Louis de Funès là. Le cheval tourne et puis ça active une prise de force, une poulie, et puis on peut mettre une machine en route. Bon, ça c'est pas forcément MSV, mais disons que c'est dans le côté énergie alternative. Parce qu'on oublie que la traction animale, c'est une énergie renouvelable. C'est composé de carbone, hein. On parlait du carbone, mais là, ça bouffe des plantes, les plantes bouffent du soleil, enfin on est dans le cycle, hein. Il n'y a pas de pollution, il ne faut pas du nucléaire pour produire le panneau solaire, etc. quoi. Ça se pousse tout seul. Donc c'est une énergie renouvelable et c'est vrai qu'on n'en parle pas de la traction animale dans le débat de l'énergie renouvelable. Voilà. Et donc il y a une association qui fait ça très bien, qui s'appelle, c'est Jean-Louis Canel. Comment ça s'appelle son... Le CERTA, je crois. CERTA, c'est en Haute-Saône. Donc qui est justement pour la reconnaissance et le développement de la traction animale en énergie renouvelable. Donc c'est oui, lui c'est un peu une référence de la traction animale au niveau national. Hein. Enfin, c'est un gars qui est là-dedans. De toute sa vie, ouais, je vais vous écrire ça. Un feutre. Vous arrivez à lire le stylo là? Jean-Louis Canel. Ouais.
Donc il fait de la formation aussi, tout ça. Après, il y a d'autres. C'est déjà un gros truc. Ah, mon style. Ah oui, il faut que je le tienne droit. Jean-Louis Canel. Donc c'est le CERTA. CERTA, et puis aussi une association qui travaille d'ailleurs avec l'atelier paysan aussi pour le développement de matériel pour chevaux, qui s'appelle, pas l'atelier paysan, mais Hypothèse. Il y a un site internet, Hypothèse, ils ont pas mal de docs, il y a pas mal de... Pareil, il y a un gars qui a fait un outil pour charger des rounds de balles. Genre c'est un truc qui est par terre, on pousse le rounds de balles, et puis avec le poids, hop, ça se relève, et le rounds de balles est calé, quoi. Et pour décharger, je crois que le cheval il recule et hop, ça pousse le round ball et le round ball est dehors. Pour transporter un round ball par round ball. Et puis il y a d'autres choses, ouais, il y a des choses qui s'y passent. Moi j'y vais pas si souvent. Hypothèse. Alors, on va passer aux photos. Alors. Donc ça c'est une planteuse à pommes de terre. Donc en travail du sol. Mais bon, on pourrait l'utiliser pour justement réadapter en MSV aussi. Hein. Donc le principe, c'est que là, il y a une trémie, on fout les patates dedans. Là, il y a la chaîne avec les godets. Ça existe pour les tracteurs aussi. Hein. Les patates vont dans le godet. Et puis là, il y a un petit détecteur. S'il n'y a pas de patates, il y a le rond là-haut qui tourne. Hein. On met des patates dans le rond là-haut. Et alors, s'il n'y a pas de patates dans un godet, le rond, il tourne, toc, et met une patate là où il en manque une. C'est assez sympa. Et puis voilà, on accroche le cheval devant. En bas là on ne le voit pas, mais là il y a un stop, donc un genre de butoir qui va ouvrir le sillon, la patate tombe et il y a les disques qui referment et qui font la butte quoi, en travail du sol. Donc vous semez les patates là, vous plantez les patates tout seul avec votre cheval, c'est pas à peine d'être à trois comme au tracteur souvent, enfin bon au tracteur il y a des machines aussi qui se font comme ça, mais il y en a encore beaucoup qui plantent les patates, ils sont trois. Mais je voudrais mettre un petit système là pour faire une genre de plantation comme à la canne à planter, avec un bec, un mouvement comme ça qui hop, écarte, et pour que la patate tombe alors, pour ouvrir le mulch, quoi. Parce que vous avez vu un petit peu, on peut pas, vous voyez un peu les problèmes pour planter les planteuses classiques, quoi. Si vous avez du mulch, de la paille, ça va bourrer. Donc, soit il y a le système d'ouvrir un sillon avec un disque ou quelque chose pour qu'on puisse l'écarter un peu. Mais sinon, c'est le plantage à la plantation à la verticale, quoi. Type qu'on a planteuse. François Mullet et son frère, là, ils ont une planteuse comme ça à mettre au tracteur. Une planteuse qui fait ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc, c'est un disque. Il y a 4 godets ou 5 godets, des genres de pyramides. Et puis, alors, le disque, il tourne et quand ça arrive en bas, poc, ça plante dans la terre, ça s'écarte, ça dépose le plant et ça remonte. Du coup, alors ça, y a aussi les limites, hein, ça peut pas, si c'est trop épais le paillage et tout ça, enfin François a plus de connaissances là-dessus que moi là. Si vous voulez des détails, il a des vidéos là sur les anciennes, les vidéos MSV de 2012 ou 13 je crois, où il parle de ça, pas mal. Donc là, j'ai réfléchi avec cette planteuse pour essayer de faire une planteuse comme ça. Je me dis, ici, on pourrait mettre des choux. Si on mettrait des plants ici, de choux ou quoi que ce soit, il y a quand même de l'espace entre les godets, ou au pire, on pourrait l'adapter. Alors le plant, il tomberait parce que cette chaîne, elle redescend. Donc le godet, il est à l'envers quand il redescend. Mais si on le dépose dans le disque, voilà, il va tomber sur le godet à l'envers. Donc il va descendre jusqu'en bas. Et puis après, le godet va tourner, le plant va tomber. Et hop, la chaîne remonte. Donc je me dis, il y aura peut-être moyen même de planter des mottes avec cette machine. À voir, j'ai pas encore essayé. Non. Mais je pense que c'est possible de l'adapter. Ça c'est un plateau à foin. Donc ça fait 4 mètres. Hein. Donc, quand c'est chargé de foin, il y a quand même pas mal de foin dessus. Donc si vous êtes en descente, là il y a un frein. Donc ce qui permet de... Parce que s'il n'y a pas de frein, c'est le cheval qui doit retenir le truc. Et si jamais à un moment il ne retient plus et qu'il se dit « Merde, c'est trop dur, hop, je cours », c'est mal barré pour le virage, quoi. Du coup, on met le frein un petit peu, comme ça freine, et il vaut même mieux qu'il tire un petit peu qu'en descente, que... Voilà, on peut mettre le frein juste que hop, il est un petit peu attiré si c'est très lourd, comme ça on est sûr que ça ne va pas le pousser, quoi. Enfin, c'est des petits trucs qu'il ne faut pas négliger. Et en montée, si c'est très lourd, des fois il faut plutôt deux chevaux.
Que un. Hein. Là, j'avais qu'un cheval pour l'instant. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'en prête un là. Enfin, je vais travailler avec deux chevaux bientôt, donc ça va être bien. Mais donc avec un cheval, j'arrivais sur du plat. Le poids n'est pas trop problématique sur le plat. Même nous, on arrive à pousser la remorque sur du plat. Le problème, c'est les montées parce que ça commence à tirer en arrière, donc il faut la force, et les descentes parce qu'il faut freiner. Le plat, on peut tirer des tonnes en fait. Hein. Même une voiture, vous voyez, une voiture, elle est sur du plat, vous la poussez, quoi. C'est sur roue, alors il n'y a pas de problème. Et puis on peut même les démonter, ces plateaux, il y a une ou deux vis en dessous, vous l'enlevez, vous pouvez raccourcir l'espace entre les roues, hein, ou rallonger, enfin selon comment il est configuré. Et on peut mettre à la place un grand fût où ils mettaient le vin à l'époque, des fûts là de plusieurs mètres. Donc c'est prévu, si on enlève le plateau, il y a des trucs arrondis pour mettre des grands fûts de 4 mètres là, pour transporter le vin ou des trucs comme ça. Sur le dit qu'il y avait avant pour couper le paillage, tu pourrais mettre un disque en fait. Un disque qui coupe le paillage en avant, qui permet de planter. Pour la planteuse? Oui, ben le disque, le truc, c'est que tu vas travailler sur tout le rang quand même. Alors si tu as la plantation verticale, tu vas uniquement travailler local plantation. Donc il y a ça. Le disque, après, le problème, c'est que si tu as un disque libre, quoi, pour les couverts, ça devrait aller, mais pour la paille, ça bourre. Il faut un disque motorisé, quoi. Un disque qui découpe, genre scie circulaire, quoi, ou un truc. Donc ça, à cheval, bon, tu pourrais peut-être le faire avec un truc de démultiplication, éventuellement, faut voir si ça peut marcher, c'est assez rapide. Mais je me dis, si j'en vais faire par la verticale, là, ça peut être pas mal. Et en plus, donc, tu travailles que localement, à cause de la levée des adventices, tout ça. Donc j'essaye voilà, je priorise par là. Voilà, là, c'est le transport de... Ben, là, c'était, je sais plus, c'était occulté. Enfin, là, ça commençait à bien bouffer. Je voulais remettre de l'herbe, là. Donc ça, c'est des tontes fraîches, là, que je récupère. Donc le traîneau, là, c'est une simple cuve à fioul découpée, là, que j'ai récupérée. Il y a quelqu'un qui faisait un chantier de torchis. Et ils n'en avaient plus besoin. Ils m'ont dit, ah, t'en aurais pas besoin. J'ai dit, allez, hop. Alors j'ai mis des anneaux, là, des U, là, qu'on peut acheter au Castorama, machin. Une sangle. Et puis devant des mousquetons à la sangle, et hop, je peux l'accrocher. Pareil, je peux l'utiliser pour les récoltes, je l'utilisais pour mettre le fumier composté. Voilà, là, j'utilise maintenant les feuilles mortes, tout ce qu'il y a à trimballer, ou trimballer du matériel, hein, du grillage, je sais pas, des sacs de sable pour caler les bâches d'occultation, tous ces trucs-là. Je prends le traîneau là, et hop là. Voilà, donc ça c'est une faucheuse. Alors celle-là, c'est une copine qui me la prête parce qu'elle ne l'utilise pas. Donc elle est bien. C'est une faucheuse pour un cheval. Hein. Donc on s'assied ici. Quand on est assis dessus, ça c'est aussi toujours regarder le cheval, le problème de l'équilibre. Il y a des outils à deux roues, il y a des outils à quatre roues. À deux roues, si le poids est à l'avant, c'est le cheval qui le porte. Si le poids il est trop à l'arrière, ça va tendance à soulever le collier et à l'étrangler. Donc il a un collier autour du cou, le cheval, hein, pour tirer, qui appuie sur les épaules. Et donc le truc, c'est d'être à l'équilibre à peu près, quoi. C'est bien d'avoir, je crois que c'est entre 5 et 10 kilos, ou 5-6 kilos, sur le collier, quoi. Mais pas plus, et même. Pour les sulkies, c'est les chariots de deux roues pour aller se balader. Normalement, le brancard, il est juste en équilibre. Ça passe dans des anneaux. Le collier, il y a des anneaux. Ou alors, ça peut être bon sur la sellette, là, comme on disait. On peut l'attacher soit au collier qui se trouve ici, soit à la sellette. L'idéal, c'est que, en fait, si vous avez la boucle, la barre passe dedans. Bah, l'idéal, c'est que quand il marche, la barre, elle est juste en équilibre, quoi. Elle est ni contre en haut, ni en bas. Elle est juste, hop, elle bouge un peu dans l'anneau, comme ça. Pour le préserver, quoi, hein, parce que le cheval, c'est son outil de travail. Si demain, si on l'utilise mal, il peut être blessé. Et après, on peut. Ben, il est, voilà, c'est pas le but. Voilà, donc la faucheuse, là, il y a une poignée, hop, on descend la barre de coupe, ça s'embraye. Là, il y a une petite poignée pour embrayer, débrayer si on veut avec le pied. Et puis après, là, il y a une manette pour régler l'attaque de la barre de coupe, hein.
Et voilà, il a une pédale au pied où on peut débrayer avec le pied s'il y a une urgence, une branche ou quelque chose. Voilà, on peut débrayer avec le pied ou régler un petit peu la hauteur de la lame quand le sol est trop irrégulier pour la laisser traîner par terre. Bon, je vous donne les infos comme ça semblait un peu, beaucoup de choses, mais pour dire, c'est des machines qui sont très au point. Hein. Ça, c'est une machine qui date d'il y a, je sais pas moi, des années 50, peut-être avant. Hein. Donc, là, il y a la transmission. C'est la belle petite mécanique, ça tourne bien, hein, donc c'est une barre qu'on met au tracteur, là, tac tac. Et puis on passe, ça fauche, ça met un petit peu pour que la planche elle sert à mettre le frein de côté pour que quand on passe deuxième passage, on a la place pour la roue pour ne pas rouler dans le foin fraîchement coupé. Et après, il y en a qui mettent des moteurs dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fatigue le cheval, ça au niveau de la fatigue. Moi je vois mon cheval avec 1 heure de faucheuse comme ça. Il a déjà fait quelque chose, quoi. 1 heure, 1 heure et quart, ça le fatigue bien. Alors qu'une séance de travail normale, en général, c'est à peu près 2 heures. Mais la faucheuse, 2 heures, moi, il peut les faire, mais ouais, voilà. J'essaie de faire des séances de 1 heure, 1 heure et demie max, quoi, la faucheuse, pour pas la dégoûter à force aussi, quoi. Hein. Si chaque fois on l'épuise, le cheval, c'est comme nous, on peut bosser des fois à fond, mais si tous les jours à fond, ça va pas, quoi. Voilà, ça c'est une faneuse. Donc c'est aussi une faneuse, ça peut aussi servir dans l'itinéraire avec la paille de François Mulet pour le relevage de paille. Je ne sais pas si vous avez vu un peu ça. Donc c'est pour le but, c'est on met de la paille, il y a des graines qui vont germer, des graines de blé qui sont dans la paille, même d'autres herbes qui repassent ou quoi. Et alors pour ne pas désherber à la main, bon, on va passer ça. Ça c'est des fourches quoi, qui ont un mouvement de ce sens. Donc ça va comme si on donne des coups de fourche quoi, et donc ça va relever la paille. Et la paille retombe et les herbes qui ont poussé, elles sont recouvertes, voire un peu arrachées. Voilà, si elles ont. Ouais. Donc ça, ça s'étire. Ou si on fait du foin, bah, ça sert à faner le foin quoi, pour le faire sécher. On passe une fois le matin, une fois le soir. Et voilà. Donc pareil, ça c'est attention. Si on tombe du siège, c'est dangereux là. Alors maintenant, j'ai vu, il y en a qui mettent des protections là, des tiges en ferraille courbées, pour que comme ça, au cas où on tombe, on n'est pas dans les fourches. Parce que là, c'est pas très dans les normes. Ouais. À l'époque, c'était des. Mais bon, moi ça m'est arrivé, pas avec celle-là, mais j'en ai récupéré une autre. Et le siège était bien rouillé, mais bon, je pensais que ça allait. Et en fait, le temps de monter mon chemin, le siège il s'est décroché. Alors, bon, bah, ça va, je suis pas tombé du siège et on n'était pas en train de, dans le champ, c'était pas actionné le truc. Mais voilà, ça serait arrivé 2 minutes, enfin 5 minutes plus tard, ça aurait pu être plus chaud. Donc, voilà, il faut vérifier que le matériel soit en bon état, là, quand même, comme ça. voilà, ouais. Donc, ça, c'est un râteau. Donc, ça permet de ramener des choses en tas. Donc, c'est moins pratique que l'andaineuse. Mais après, si vous avez des petits recoins, voilà, des branches, de la paille, des orties que vous fauchez ou n'importe quoi, vous pouvez les chercher comme ça et les ramener sur un tas. Donc le truc, c'est que ça traîne par terre et puis quand on est là où on veut, on a une pédale. Et alors le râteau se lève et puis un système fait qu'il se secoue pour qu'il se vide. Et après, on lâche et hop, il ratisse nouveau, quoi. Alors c'est assez large, hein, ça fait 2 mètres 50 peut-être. Hein. Voire peut-être 3 mètres. Ouais, ça c'est des outils grands et larges, quoi. Et encore, ça c'en est un qui vient de Suisse, de la montagne. Donc il y a un frein dessus, ça c'est pratique. En montagne, ils ont. Et ils sont moins larges pour mieux circuler. Que ceux de la plaine, ils sont plus larges encore. Ah, ça c'est le foin. Bon, voilà, là, c'est pas le plateau, j'avais pas encore le plateau. Donc là, c'était une petite chariote. J'avais rempli le foin. Donc là, on charge le foin. Paf, paf. Voilà, c'est marrant aussi à faire. Moi, je prends énormément de plaisir à travailler avec le cheval. Hein. C'est assez dingue. C'est. Ouais. Autochargeuse. Donc, ça, c'est assez rare à trouver, une autochargeuse. Par contre, je n'en ai jamais vu à vendre. Encore, ni d'épandeur. J'en ai vu un chez quelqu'un, mais il ne voulait pas le vendre. Un épandeur, et voilà, c'est tout. Et neuf, ça coûte quand même, je crois, 8, 5, 6 000, hein, un épandeur. Neuf pour cheval, là, un petit. Ouais, c'est très cher le matériel neuf pour cheval. Je vais vous montrer là sur d'autres outils. Les faucheuses neuves aussi, ça vaut 3-4 000 euros. Bon, alors elles sont plus modernes. Il y en a qui disent qu'il y a double lame, mais
Là, Jean-Louis, là, Canel, il en avait acheté une, il n'en était pas très satisfait, malgré les quelques milliers d'euros dépensés. Donc, pour le prix, il n'en était pas satisfait, ouais. Alors, je sais pas trop. Faucheuse lieuse aussi, ça se trouve en 150 et 500 euros sur le Bon Coin. Donc là, j'ai pas de photos, hein, j'ai pas eu le temps de les mettre, là, vous m'excusez. Mais c'est une grosse machine. Elle fauche. La paille avec les épis, elle monte. Et puis hop, ça met une ficelle. J'ai jamais vu fonctionner en vrai encore cette machine. Hein. J'ai vu que des vidéos. Et la ficelle, voilà, ils font des petites bottes, des petites gerbes, quoi. Et puis ça tombe derrière. Et après, on les ramasse avec une remorque. Donc ça peut être pour moissonner le blé. Hein. Voilà, moissonneuse gauloire, on en parlait. Pour essayer de moissonner plus haut, trouver un outil, justement avec la lame réglable. Comme ça, si on a des. Même pour arriver à monter haut, parce que si on met du seigle ou des blés anciens, le but c'est d'avoir un couvert très haut. Donc si on veut quand même le récolter, quoi, hein, parce qu'on n'est pas obligé. Mais moi, je voudrais faire un peu de blé pour moi, pour les poules, juste, voilà, pour l'instant. Donc c'est des trucs auxquels je réfléchis. Porte-outil polyvalent, donc ça c'est les porte-outils, on va regarder les photos. Donc on peut le moduler en semoir, en strip-till, des choses comme ça. On va voir ça. Donc ça, c'est un cultivateur ancien. Hein. Donc c'est, y a deux roues là. Et puis là, il y a à l'avant, c'est une double roue. Donc en fait, le truc, c'est quand. Donc ça sert à reprendre les labours, etc. Avec les griffes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut enlever les griffes. Et puis alors, ça fait un châssis. Là. On peut mettre des semoirs, on peut mettre ce qu'on veut. Et avec un relevage, là, les poignées, vous les soulevez, ça relève l'outil quand vous allez sur la route ou que vous sortez du champ, tout ça. Donc c'est des outils qu'on peut trouver à partir de 40-50 euros. Donc ça vaut plutôt que de se faire un châssis, machin, 40-50 euros, le boulot est déjà fait. Il y a juste à rajouter dessus un semoir, des discouvreurs si on veut, ou le système qu'on veut. Ça peut être pas mal. Et puis sinon, ça j'avais fait il y a 2-3 ans, là, ça c'est de l'autoconstruction. Donc c'est le cultivateur qu'on a vu avant, si vous voulez, mais adapté à des billons. Parce que le cultivateur, il a des roues... Bon, celui-là c'est un très large, hein, c'est pour deux chevaux. Il y en a qui sont moins larges, mais il a les roues à l'avant, et puis bon, moi ça me gênait avec ma configuration de billon, les trois roues. Je préférais avoir quatre roues dans le même axe. Donc j'avais fait ça. Et donc le principe, c'est qu'à l'avant, c'est réglable à l'avant la hauteur, c'est réglable à l'arrière avec les poignées pareil là. Et puis on peut détacher, là on a un boulon qu'on peut enlever. Et on peut détacher la montrain et mettre un autre outil derrière, si on veut, quoi. Donc ça, en fait, c'est de la récup. C'était un montrain d'une charrue assez costaud, à cheval. Sur cet avant-train, donc la poignée, là, elle sert à régler la hauteur du point de fixation de l'outil. Et puis donc, à l'avant, là, on a un système qui était déjà sur l'avant-train de la charrue. Qui permet de déporter le cheval, parce que si vous avez un cheval sur un billon, lui il va marcher au milieu, il va marcher sur le billon. Alors pour pas qu'il marche sur le billon, il y a ce crochet là qu'on peut décaler sur le côté, et alors on peut faire marcher le cheval dans le sillon, et l'outil suit très bien le billon sans qu'on ait besoin de le... Moi en fait j'ai les guides d'une main, et puis je tiens l'outil une main, mais j'ai la main posée dessus. Et puis des fois, s'il y a un truc un peu dur ou que ça rip, hop, je le retiens, quoi. Ou si je vois que ça vire un peu, hop, je le repousse. Mais s'il est bien réglé, on a très peu à faire, quoi. C'est vraiment pour compenser des... Ou un caillou, un gros caillou, n'importe quoi. Ça permet de le retenir. Donc c'est très confortable. Moi, j'avais un autre outil avant qu'il fallait, avec deux roues, qu'il fallait toujours soulever pour les demi-tours. Pour quand on voulait aller dans un autre champ ou se déplacer même sur la parcelle, hein, il fallait soulever une main et puis le soir on est crevé. Que là tu soulèves que dalle quoi. Donc c'était vraiment bien. Donc cet outil là, je vais prendre le même principe là de relevage à l'arrière. Enfin, je vais essayer de mettre un rouleau FACA sur un outil comme sur ce genre de porte-outil là avec le relevage. Comme ça, quand j'enlève le relevage, je descends le rouleau, il y a le poil de l'outil en plus. Et puis je vais encore mettre un siège dessus, comme ça je peux m'asseoir dessus, ça fait du poids en plus. Le rouleau FACA, donc vous voyez ce que c'est tout le monde, hein, vous voyez un peu, oui. Donc il faut 300 à 400 kg au mètre de largeur pour que ça fonctionne, quoi. À ce qu'ils disent, donc il faut du poids.
Donc le rouleau flacon, on va l'unir. Voilà, donc le principe, c'était ça. Avant-train de charrue. Ici, ça, c'est un cadre de vibroculteur que j'avais récupéré, quoi. Donc je l'ai découpé, j'ai pris la largeur qu'il me fallait. Et puis les roues, pareil, ça vient d'un vibro. Les poignées, là, donc c'est un système de poignées avec un truc à cran. Et puis vous avez un petit éton qui vient se coincer dans le bon cran. Donc ça, c'est récupéré d'anciennes charrues. C'est toute la récup, quoi, des pièces à droite à gauche. J'ai rien acheté là-dessus, je crois, à part les vis et puis les baguettes des soudures. Et voilà. Les disques, ça vient d'une déchaumeuse, d'une ancienne déchaumeuse. J'ai récupéré, j'ai démonté les disques, quoi. Pareil pour faire un strip-till, hein, parce que les disques, c'est, je sais plus, ça compte 60 euros pièce, là. Si vous voulez un disque réglable, un disque avec le bras, c'est 200 euros neuf. Hein. Donc c'est 400 la paire. Enfin, toi, ça chiffre vite la machine. En neuf. C'est une machine qui vaudrait, je sais pas moi, 2-3 000 euros neuf, ça. Hein.